Au nom du Père, qui, Papa, qui, solo, kele, lukelo, du Fils, dit, Papa, dialungana, kiangani, et du Saint-Esprit, dit, sa divinité, Tata, Diangenda, Kuntima, les trois grandes puissances célestes manifestées sur terre, en la personne de Tata Mwanda Villa, Tata Nkwatulendo, le chef spirituel et représentant légal du kimwangisme, le patron de la quatrième et dernière génération, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Vous avez remarqué que je commençais mon programme communicationnel de ce rendez-vous du Média Ki en ce jour 14 novembre l'an 2018, comme qui dirait, dans le cadre de cette nouvelle civilisation, à savoir le kimbanguisme et le calendrier de Tata Kimbangu, nous dirons que on est aujourd'hui un mercredi, donc l'équivalent de Nsona, non de Mbasa plutôt, Mbasa, Kiambasa, mou lumbu Kiambasa kiki, tuna Kiambasa, 12, Ngonda ya Kumpwa, le mois de Kumpwa, en l'an 97, autrement dit l'an 97, pourquoi? Parce que nous sommes dans le cadre du kimbanguisme, la nouvelle civilisation, et que depuis 1921, c'est l'an 0, l'an 1, l'an, depuis 1921, aujourd'hui, on est en l'an 7e année, donc c'est l'an 97 du kimbanguisme. Vous avez remarqué que j'ai commencé donc mon intervention par ce cantique de mes collègues de Jujiki Pointe Blanche. J'aime pas le terme noir parce qu'il était corrigé par Kisolo Kele. Donc de pointe blanche, par le chant ou le discours politique, car moi, votre interlocuteur, votre communicationnel, je suis politique. Je suis ici dans le cadre en tant que messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre universel qui viendra nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba, notre loge à nous. Vous savez, dans le monde, ceux qui exercent la fonction politique, ils ont des loges. Ils ont la franc-maçonnerie, ils ont les Rose-Croix, ils ont le maïrérisme, ils ont les Illuminati et consorts. Mais nous, on a notre loge qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et cette institution spirituelle a pour siège Nkamba, New Jérusalem, Mbanza, Velela. Donc, mon intervention de ce déjeuner du Média Ki en ce jour est axée à notre Ngoudian Longo. Ngoudian Longo, qui est Ngoudian Longo? Ngoudian Longo, c'est la maman porteuse des trois voilà. Cette maman qui a eu la grâce, qui a eu la naïel, comme qui dirait en hébreu, la grâce de porter les trois glorieux ici-bas sur terre. Vous savez que nous sommes actuellement dans cette année spéciale, l'année du centenaire, que depuis que Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, avait décidé de prendre une autre forme physique. Cette forme physique s'est matérialisée un certain vendredi 22 mars 1918 à 6h du matin. Alors, je m'en vais tout de suite vous relater un moment vécu. Vous savez,
quand on parle du kimbanguisme, qui est cette nouvelle civilisation qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier, dans son état premier. Cette humanité qui était égarée, il a fallu un processus d'action afin que cet humain soit récupéré. Je m'explique. Ici, je ne parle pas d'être humain. Parce qu'il y en a qui sont devenus, souvent qu'on qualifie d'être humain. Non. Ici, je parle de l'humain. Le Muntu, autrement dit le Wantu, c'est-à-dire au singulier, et au pluriel, les Bantu. Donc, le peuple originel. Vous savez que ce peuple originel fut créé en Kamba. Et à cet endroit, c'est là-bas que Dieu le Saint-Esprit décida de prendre sa deuxième forme physique, à savoir Tata, Diengenda, Kuntima, Joseph. Et j'aime souvent moi le dire souvent Papa, Kuntima, Diengenda. Mama Mouilou, Ngudia Longo. Nzitani Mwilu, Nzitani Kiawanga Mari. Qu'est-ce que cela signifie? On est aujourd'hui, mercredi, Tata Fuma Longo, Kuntima Diangienda, avait décidé, dans son action, que le jour de mercredi, autrement dit en Kimbangumuna, le jour de Mbassa. Et en faisant usage de la science que Tata Simon Kimbangu nous a disposée, que nous appelons, qui se résume par cette gestuelle qu'on appelle Pakundungu, ces deux éléments fondamentaux de base qu'a donné l'écriture, dans le Pakundungu Pélékété, si vous prenez l'appellation Mama, dont Mama, en faisant usage des principes qui régissent la science africaine, le Manombé, la rotation et la symétrie, si vous prenez le consonne M, en faisant usage de la rotation, cette consonne devient W. Consonne en mandombé, nous appelons ça Mvoala. Et la voyelle, nous appelons cela le Kisimba. Alors, et quand on associe la consonne et la voyelle, ça devient le syllabe. Et le syllabe, ce qu'on appelle Zita. Zita, c'est l'association du voilà plus le kisimba. Alors, donc, quand vous prenez le voilà W, ou la consonne W, le consonne, je ne sais plus quel article c'est, enfin, bref. Et donc, ça devient le mama, ça devient le wawa. Et généralement, quand je parle du stellaire à cinq branches, le qui didi kiki, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu, dans son action physique, le Kimbangu premier, je vous le signifie ici, avait travaillé 5 mois. Les trois glorieux, Tata Kisolo Kele Lukelo, le Père, Tata Dialungana Kangani, Jésus-Christ, le Fils, Tata Diengenda Kuntima, le Saint-Esprit, sont venus rester en Kamba pendant 5 mois, cette fameuse période qu'on qualifie de 5 mois. Et dans le 5 mois, il ressort le stellaire de 5 entités, à savoir Papa Kisolo Kele Lukelo, Papa Dialungana, Papa Diangenda, et les pieds, vous trouverez
les parents Tata Kimbangu et l'appellation usuelle dans ce stellaire-là de la maman, c'est Kiawanga. Pourquoi Kiawanga? Kiawanga, tout simplement, il ressort le terme Kiawanga, ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'elle a entendu, cette grandiose dame? Cette dame, Ngakiawanga, elle était le témoin, la nuit du 5 au 6, de l'échange du Seigneur Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu. Quand le Christ Jésus viendra dire à Simon Kimbangu, Tata Kimbangu, le temps est venu, on est la nuit du 5 au 6, de prendre mon relais, car mon peuple est en train de périr par un mauvais enseignement. Ceux qui sont venus parler de moi, ils ne sont pas dans la vérité. Toi, je t'ai choisi pour dire ma vérité. Et Maman Marie Mouilou, qui a Wanganzitani, elle assiste à cette conversation du point de vue audible. C'est-à-dire, elle entendait, mais elle ne voyait pas. Qui a Wanga? Et finalement, interloquité, elle se dit, mais chérie, tu parles avec qui? Tata Kimbangu dira à sa chère épouse, oh, si tu savais, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, ça fait un moment qu'il me court derrière pour afin que je puisse continuer son action sur terre. Et Ngakakiawanga, sans tergiversation, elle dira, accepte, moi, je te donnerai le coup de main. Je veux t'épauler dans cette action. Et voilà le signe, l'action, le moment crucial où Papa Simon Kimbangu prend le courage et dit, mais écoute, demain matin, tu seras la première à sonner la cloche d'appel. Et le matin du 6 avril, Ngakakiawanga alla entonner la cloche d'appel. Ngan, 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 ngan. Et dans le cadre de nos recherches, nous avons remarqué il y a cinq coups. Et les cinq coups, il ressort le stellaire à cinq branches que nous qualifions de Kididikiki. Le Kididikiki, c'est ce stellaire que porte nos collègues dans l'action, le stellaire que Papa Simon Kimbangu a ici sur sa tête. Qui solokele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu, Kiawanga. Et quand vous prenez ce stellaire, cette étoile, vous savez que Maman Marie Mouilou, Mouilou veut dire l'étoile. Et ce stellaire-là, cette étoile-là, c'est les cinq entités, les cinq grandes puissances. Et donc, dans les cinq grandes puissances physiques de l'action du kimbongisme, afin de restaurer l'humain dans son état premier, c'est-à-dire cet humain-là qui a existé dans sa grande puissance avant que le coup d'état spirituel soit exécuté par celui qui s'est autoproclamé comme étant le prince de ce monde et qui s'est fait appeler Satan, Satana, Tebo. On dit Tebo. Tebo, il dira quoi ce dernier? Il a fomenté un putsch en passant par cette créature qu'on appelle serpent. C'est, nous on m'a nommé, dans la science que Tata Simon Kimbangu a disposé, tous les mots qui sont outre-africains, c'est-à-dire qui ne sont pas d'origine, qui veut dire qui ne sont pas utilisés, connus comme étant d'origine africaine, qui sont donc outre-africains, ces mots-là, nous les écrivons tels qu'on entend. Donc, quand j'écris le mot serpent, que ce soit avec ENT, qui est donc la manière dont on l'écrit actuellement, mais en faisant Ija du Mandombé, ça devient cette entité qui a servi de pont.
serpent, c'est cet animal, cette créature qui a servi de pont pour dicter la mauvaise information de séduction afin de faire tomber notre maman originelle, Maman Kenge, autrement appelée Eva. Et le coup d'état là, quand ça s'exécuta, eh ben, Satan réussit à se matérialiser. De cette manière-là, depuis cette manière qui se glare son coup à prendre forme dans un corps humain, eh ben, il ne veut plus dorénavant que, disons que l'humain a perdu son action, sa personne divine. Et donc, aujourd'hui, nous faisons état de Ngakakia Wanga, celle-là, si la première dame avait entendu Waka Widingi, elle a entendu, le mal est entré. Et Ngakakia Wanga, Marie Mwilu Nzitani, elle vient corriger cette erreur-là en acceptant la charge d'accompagner, d'épauler son mari, le Saint-Esprit, Tata Kimbangu. C'est en ce moment-là que la femme reprend sa place dans l'action aussi bien politique, scientifique que spirituelle. Ce que nous qualifions souvent des 3P2SP. Ici, j'ai un discours de nos trois glorieux concernant Mama Ngudianlong. Et ce discours, c'est le secret divin dans les cieux. Quand les trois glorieux pensent, ils cogitent, eh bien, nos collègues messagers qui n'ont pas pris cette forme physique, ils ont la forme spirituelle, eux, ils nous font parvenir ces messages politiques, que j'appelle ça parce que moi je suis un politique. Donc, et là, ils viennent nous informer du pourquoi, du comment des choses. Alors, que dit ce message politique dont je voulais vous faire état? C'est mes collègues de Jejeki Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, vous m'excuserez du terme, j'aime pas le terme Brazzaville, parce que c'est un franc-maçon, je ne veux pas continuer à perpétuer le mal. Donc, Congo, Tata Fuma Mbanza, notre Seigneur Jésus-Christ, nous disait toujours que Mi Kayi Sansuangaku. Et ça, c'est sous ma responsabilité en tant que Nkwamazaï Diamandombe, Dia Congo, qui déclare cela. Donc, le Congo, Mbanza Kimbangu, le territoire de mon élection, parce que c'est là-bas que j'ai décidé de venir sur Terre, pendant que Papa Fuma Longo avait décidé que les enfants aillent en retraite spirituelle. Alors, que dit ce discours politique de nos amis, les qui n'ont pas pris forme physique? Il dit quoi? Mama Mwilu Ngeye Yindumba Yantete Watambudila Mulunda Musimba Salu Nateye Lumbu Kiantsuka. Je répète, le discours politique est en Kinshasa, mais je vais me permettre quand même, parce que en Congo, la langue originelle plutôt, mais je vais quand même vous l'expliquer à proprement dite dans sa langue, dans la langue dont je vous communique. Donc, Ngudianlongo Kakamwilu, l'ange ici vient nous expliquer que Mama Marie Mwilu est la première femme qui a eu la grâce d'accepter
de tenir le travail jusqu'à sa fin sans pourtant céder aux tentations. Excusez-moi, je vais quand même vous lire ça proprement dit avant de vous... le cantique, il est autorisé. SD. Hop. Maman Mouille. Excusez-moi, je trouve que je vais quand même retrouver le texte. C'est lui, je voudrais être fidèle au cantique tel que c'est écrit. Parce que c'est mes collègues de Jéjéki, Mbanza, Kimbangu, autrement dit ex-Brazzaville, qui ont relaté cela. Maman Mouilou, Ngeye Yindoumba Yankete. Maman Mouilou, tu es la première dame. Yatambu Dila, Lunda Salou, qui a accepté de tenir le travail difficile, qui n'a qu'un pas assis. Un travail difficile. Nateye lumbu kiansuka jusqu'à la au dernier jour. Ntangu zaluta ba mama ibaou ba bebisa. Dans les générations antérieures, ce sont les mamans qui ont fauté, qui ont commis l'erreur. Mais aujourd'hui, quand si ou nous Ngeye wizidi kuba tombola. Mais aujourd'hui, toi, Ngoudian Longo, Nkaka Wanga, tu es venu les relever, les honorer, les sortir de cette considération inappropriée. Ntangu ya damu, ba mama, ba bebisa. À l'époque d'Adam, c'était Maman Ève, donc la femme, qui avait fauté, qui avait fait l'erreur. Ntangu qui a balami au temps d'Abraham, Bossi Muntangu qui a balami. À l'époque d'Abraham aussi, eh ben, c'est toujours Maman Sarah qui avait commis l'erreur. Ntangu ya Isaki, ba mama, ibaou, ba bebisa. Bossi, donc à l'époque d'Abraham, toujours maman Rebecca, qui a aussi commis l'erreur. À l'époque d'Isaac, donc, c'était ce que je donne, Isaac, Rebecca, c'est à l'époque de maman Isaac, tata Isaac. Bossi Muntangu ya Samsoni. À l'époque de Samson, c'est pareil, c'est les mamans qui avaient commis l'erreur. Boloko ya Yosefi, Mukati Mwanti ya Falao. Banani, ba mama kwandi, iba ukaka ba bebisa. À l'époque, l'emprisonnement de Joseph. Cette erreur-là est partie de nos mamans, la maman. Après, on dit quoi? Lousaya, sachez-le. Ounou maman mouilou, kiawanga, ouizidi batombola, mounaboulou, maman Marie mouilou, la vie à l'époque. Il y a une organisation spirituelle dans le monde qui le qualifie souvent de la Vierge Marie. C'est elle, Maman Mouilou Kiawanga. Elle est venue remettre la femme à sa place, à côté de l'homme. Donc, bien dans l'action, d'action entrepreneuriale, l'action ministérielle, l'action présidentielle et dans toutes les tâches, la femme est capable d'exercer le travail de la manière que Kiawanga l'avait exécuté. Wizi batombola, muna boulou dans le trou. Oh, boulou, c'est au Congo. Alors,
Ça, c'est des interruptions quelquefois qui viennent parfois sortir les gens dans la bonne disposition spirituelle initiale. Enfin, bref. Donc, je disais au nom de Papa Kisolo Kilelu Kelo, Papa Delungana, Papa Dengenda, je reprends mon action explicationnelle d'explication. Ici, je faisais état de l'action de Ngudia Longo, comment elle a exercé son action pour remettre la femme dans son état approprié. Donc, Ngudia Longo, donc le message du discours politique dont je vous parlais, c'est les anges qui sont venus nous donner en expliquant comment la maman Mwilu Kyawanga, elle a réussi à remettre la femme à sa place. Donc, ici, on nous cite les différents égarements des femmes. Alors, à l'époque, donc, Kanti wunu ngeye wizidi mu batombola bika kumbwaku Voilà, Yazid soit. Mes amis, vous avez remarqué, l'horloge vient de sonner, c'est l'alarme de la reprise de l'occupation pécuniaire. Parce que là, je le fais, cet exercice, je le fais pendant le break de mon action pécuniaire. Hein? L'occupation pécuniaire, comme qui dirait. Donc, mes amis, le temps m'est imparti. J'espère, j'aurai une autre occasion pour revenir à cet état de fait où je voulais vous bien préciser que Ngudia Longo, Ngawanga, Kimpovela Kieto, a réussi à remettre la femme à sa place. Et aujourd'hui, les mamans, là où vous êtes, partout où vous êtes, prenez votre courage et prenez comme modèle Ngakawanga afin de, ici, je m'en fais le plaisir de vous montrer sa personne, comment elle est actuellement ici en Europe. Ngakawanga, Marie, Mwilu, Lufinama, Diangenda, Kina, Francina. Parce que quand elle est née, son père de Marie, Tata Kuntima Diangenda, le plaça ici en Europe depuis 1966. S'il vous plaît. D'aucuns ne savent pas que cette maman nous supporte ici en Europe depuis 1966. Et ce n'est pas anodin que ce soit 66, parce que vous qui venez ici, c'est que elle nous a changé elle a changé sa forme physique le 27 avril 1959. Le 27, c'est 2, 7, ça fait 9. C'est le contraire du 6. Et ici, en Occident, quand les gens prennent la nationalité étrangère, quand ils ignorent ce qu'ils sont, ils ont en France ici le numéro 99, 99. Et c'est le contraire du 66. Ça, on aura l'occasion de parler, j'espère. C'était le Mediaki de ce 14 novembre, l'an 2018. Diakongo, Wenakubatele, Nkwamazayi, Diamandombe. J'ai qui? J'ai le Père Céleste, Ngudia Longo, Ngakawanga et Tata Simoni Kimbangu, Kiangani, Fumalongo, à qui nous se sont toutes choses. À très bientôt, mes amis.